Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Comme nous l'avons promis le lundi mardi passé, nous sommes dit, allons nous rencontrer aujourd'hui pour notre émission, allons consulter le prophète. Nous voici. Nous voulons vous dire un grand merci pour l'attention que vous avez apportée chaque jour. Et si c'est quelque chose que nous pouvons vous donner à ce jour-ci, ce n'est que ce que Frère Branham a dit. Et nous sommes en Afrique de l'Ouest, plus précisément à Lomé, où notre révérend Zoé, communément appelé l'apôtre de l'Ouest, il est actuellement à Lomé, dans le voyage missionnaire. Alors, cher révérend pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous croyons en forme, hein? Oui, ça va. Okay. Nous allons très bien. Gloire à Dieu, merci. Nous avons des questions aujourd'hui que nous nous posons et qui posent beaucoup d'entre les révérends. D'abord, j'aimerais essayer de vous lire les questions afin de pouvoir vous donner un avant-goût de ce que nous allons vous dire ce soir. Qui détient le troisième exode? Qui est censé la donner ou l'enseigner aux autres? La doctrine. La doctrine, censé donner la doctrine du troisième exode. Mais avant d'aborder le sujet si révérend, j'aimerais vous poser cette question qui cadre un peu avec la question ici. C'est quoi le troisième exode de révérend? Quelle différence y a-t-il entre vous et ceux du deuxième exode? Bon, la différence est réelle et existe en le sens que l'exode, que cela soit en français, qui le définit comme étant un déplacement massif d'un peuple, soit pour raison de guerre, soit pour raison économique, soit pour une quelconque discrimination. Quand il y a un déplacement d'un point à un autre, d'une vision à une autre, à ce moment-là, on peut parler de l'exode. Spirituellement, c'est la même chose. Quand il y a un banane dans la définition générale, c'est exode. Il dit c'est sortir d'eux pour entrer dedans. Donc, on ne peut pas parler des autres quand il n'y a pas un déplacement. Donc, ce qui fait que le premier exode, il l'a bien dit, c'est quand Israël quitte l'Égypte, un point A, pour se diriger à un point B appelé Canaan. Le déplacement là, ça s'appelle Exode. Il laissait les habitudes égyptiennes, il laissait les habitudes même pas du désert, il ne devait pas venir avec eux, et il devait se retrouver à Canaan avec les 10 commandements, le judaïsme, les lois, et ça s'appelle premier. Quand Jésus vient, Dieu ayant trouvé que les lois, les adorations d'Israël étaient devenues seulement formalistes, il amène une autre vision. En ce moment-là, il ne demande pas Israël de quitter d'un pays à un autre. Là, il le demande de quitter d'une vision à une autre, de changer la manière de voir les choses. Changer un agneau à quatre pattes à un homme. Changer le baptême de la mer rouge à un baptême où on vous plonge dans l'eau après avoir reconnu la divinité de Jésus-Christ. Changer la manière de prier. Et tous les rituels. Et même changer la vision qu'ils avaient de Dieu. Au lieu que Dieu soit le grand génie ou le grand invisible qui fait trembler les gens qu'on ne peut même pas voir. Quand tu le vois, tu dois mourir. Dieu devenait maintenant Emmanuel au milieu de nous.
fait chair à Jésus. Et enfin, en principe, on dit baptême du Saint-Esprit, vous devez le recevoir après avoir été baptisé. Au nom de Jésus-Christ, que vous croyez comme étant le Fils de Dieu manifesté dans la chair. Dieu ayant fait Seigneur et Christ Jésus, que vous avez crucifié tout ça, comme Pierre l'avait dit. Oui. Carrément, c'est ça. Tous ceux qui ont laissé le judaïsme, le système de Torah, de Moïse, pour adopter maintenant la nouvelle vision appelée christianisme, c'est eux qu'on a appelé les croyants du deuxième exode. Et on les a nommés par les païens comme quoi ils étaient des chrétiens, les suiveurs de Christ Jésus. Cela dirait tout cet temps appelé âge de l'Église, tout ça. Quand on arrive à la fin aujourd'hui, à la fin, William Branham vient dans le 20e siècle ici, il restaure d'abord cette foi qui était perdue dans les âges. Et enfin, il vient nous dire que le système pentecôtiste a échoué. Et que Dieu allait appeler encore le peuple à un autre exode. Le troisième exode dont il est en train de faire mention, il ne parle pas d'un exode dans lequel on doit encore dire aux gens qui quittaient le judaïsme, entrer en christianisme. Non, ça, ils ont fait ça depuis Pierre, avec Jésus. Alors, si lui-même il en a parlé aujourd'hui quand il est venu, c'était juste pour restaurer. Parce que tu viens avec un nouveau message, mais tu trouves d'abord le désordre. Tu fais quoi? Il faut d'abord mettre de l'ordre avant de donner le nouveau message. Un tel comme ce qu'Élie avait fait sur le Mont Carmel. Élie n'était pas venu pour rétablir juste l'autel, il était venu pour faire descendre du feu. Et il a fallu commencer par rétablir l'autel. Et si vous n'êtes pas prudent, vous allez croire que le rétablissement de l'autel, c'est le message de Dieu. Et vous vous faites plein de tabernacles et du message. Et nous, c'est la doctrine de Branham de la tabernacle. Branham tabernacle de la restauration. C'est ça son message. Non. Parce qu'après, il vous dit qu'il y a un troisième exode. Et il dit le troisième exode, c'est défini facilement. Il dit on quitte le baptême du Saint-Esprit. Pour entrer dans le pays du millénium et les glorieux au-delà, les deux. Et quand vous prenez le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême qui était obtenu après avoir appris la divinité de Jésus, après avoir été baptisé en son nom, c'est ce qui vous amène à au baptême du Saint-Esprit. Maintenant, quand vous quittez là-bas pour aller dans le pays du millénium, là, c'est qui? Ézéchiel 43. J'ai vu un homme, quand je me lavais au bord de l'eau, au milieu du feu, entre ses hanches en haut, entre ses hanches en bas, le buisson qui ne s'écoulait pas. Et cette photo-là, les gens vont dans leur maison. C'est bien, madame, qui est là. Attends, il y a quelle différence entre les croyants? Parce que aujourd'hui, tous nous disons que nous sommes des croyants du message. Hein? Nous lisons les mêmes brochures, nous occupons la même bande. Attends, quelle différence y a-t-il? Par exemple, si on cite les noms entre vous, révérend Zoé, et le révérend Dioka. Pour lui, c'est un croyant du deuxième exode. Il croit en Jésus-Christ, il croit dans son baptême, il croit dans le baptême du Saint-Esprit, il est resté avec la vision de la divinité de Jésus-Christ. Mais tous se disent être dans le deuxième exode. Non, elles ne sont pas dans le deuxième exode. Parce que dans chaque exode, il y a un baptême. Dans le premier exode, il y avait un baptême d'eau. Et c'est quel? Traversé de la mer Rouge. Mais c'est rien, là. Rien. Ils ont traversé la mer Rouge. Et c'était ça leur baptême d'eau. C'était ça leur baptême d'eau pour l'État, parce que c'est le type, c'était pas parfait. Allez. Ah, maintenant, si c'est comme ça, alors ils étaient baptisés en quel nom? Parce qu'il y a un nom qui doit être. À Moïse. On dit bien, j'étais baptisé à Moïse. Quand vous êtes baptisé dans une personne, vous portez son nom. Mais ce n'est pas dit qu'ils se sont baptisés dans le nom de Moïse. Dans, quand on dit dans Moïse, vous êtes baptisé dans Moïse. Et là, on va dire utiliser le nom. C'est dans Moïse, ça dit, ce n'est pas dans le nom de Moïse. Mais vous êtes à lui, non? Non, là, est-ce qu'on prenait 2 millions de gens pour le mettre inclus à Moïse et un individu? Est-ce qu'il peut porter 2 millions de gens? Non. C'est le nom Moïse qui le représente, point barre. C'est un peu ça la logique. Ah bon? Mais oui. Quel est le nom de Dieu qu'ils avaient à l'époque? Elohim. Oui, Shabani. C'est ça le nom. Ça, ce sont des titres de Dieu. Ça définissait qui il est, combien il est grand, infini, etc. Mais un nom,
propre qui essayait de, dans lequel ils se sont retrouvés tous, c'était le nom de Moïse. Donc vous voulez affirmer que le nom de Dieu était Moïse en ce temps-là? Oui, c'était le nom de Moïse qui était le nom de Dieu dans ce temps-là. Mais ils n'avaient pas Moïse dedans. Pourquoi ils avaient prié en son nom alors qu'ils sont sous les animaux, sous le sang des animaux, et que Moïse est né par le sexe? Parce que Dieu ne pouvait pas accepter ça. Et en type, oui, mais concrètement, jamais. Même pas. Même pas. Il fallait d'abord qu'un vrai prix soit payé du sang pour que Dieu retrouve le plaisir dans l'être humain. S'il vous plaît, dans le premier ordre, quelle était la doctrine du premier ordre? La doctrine du premier ordre, c'est les 10 commandements. Les 10 commandements. Et le deuxième ordre de l'Évangile? Deuxième exode, c'est la divinité de Jésus-Christ. Dès que vous parlez de la divinité, cela inclut les liens d'adoration et le baptême. Ce sont les trois choses-là qui réunissaient les chrétiens. Et c'était le Torah, les Pentateuch, les cinq livres de Moïse, qui réunissaient les Juifs. Et pour le Nouveau Testament, le christianisme était basé sur la divinité de Jésus. Vous devez croire que Jésus est le Fils de Dieu, il est né virginalement, il est mort à la croix pour le péché. C'est le Fils de Dieu. Et vous prenez le baptême en son nom. Et bah, vous recevez le baptême du Saint-Esprit. C'est fini. Et dans notre réseau aussi, dans le troisième mesure, y a-t-il vraiment et réellement notre élément? Maintenant, dans le troisième mesure, comme on voulait le dire, pourquoi on est différent, en quoi on est différent, pour finir cette question-là, la différence fait que moi je vois aujourd'hui que William Branham est Dieu. Pasteur dit que les autres disent que non, c'est Jésus qui est Dieu. Non, mais il affirme que Dieu est non, mais Dieu c'est Dieu. Il affirme que Branham est Dieu. Non, ils disent qu'il est Dieu à écouter et non à adorer. Maintenant, la notion là de Dieu à écouter et non à adorer, je ne sais pas qui leur a donné ça. S'ils ont trouvé ça dans quel brochure, ils ont inventé ça. Comme ils ont peur d'adorer Branham, ils ont inventé un concept que Branham est un Dieu à écouter. C'est un prophète qui doit écouter. Bon, quand vous écoutez quelqu'un, c'est pas mal. Maintenant, cela veut dire que vous avez pris juste le côté de l'écouter, alors qu'il a plus que ça. C'est ça qui fait différence. Vous l'écoutez seulement. Nous, on l'écoute et on l'adore. Du coup, on devient différent. On a un élément de plus que eux. C'est pourquoi nous, on est du troisième maison. Ça veut dire, un, nous, notre chef, c'est pas Jésus, c'est Branham. Et Jésus est le chef du deuxième exode. La base doctrinale du deuxième exode, c'est ce qu'on appelait autrement la pierre angulaire. Alors que nous avons pour pierre de fait, William Branham. Et le baptême et la divinité et les lieux d'adoration, ce n'est plus Jésus, c'est un Branham. Et tout ça, ça fait la différence. Donc c'est ça la différence entre vous et ceux du deuxième exode. Absolument. C'est ça qui fait que. Quand elles disent qu'ils sont, si elles disent qu'ils sont du troisième exode, ils se collent. Oui, parce qu'il y a une brochure pour la lire, non, du troisième exode. Et ils lisent ça. C'est pourquoi ils se disent elles-mêmes aussi qu'ils sont du troisième exode. Oui. Mais un exode commence avec baptême. Vous n'avez pas baptême, vous êtes dans le troisième exode. Parce que selon certains révérends, même du troisième exode, ce qui m'étonne, ils estiment que le fait seulement que vous croyez le message, vous êtes dans le troisième exode. Qu'est-ce que ça voulait dire? Quel message? Parce que le message est venu en deux. Il y a un message chrétien qui est d'abord revenu. Maintenant, comment quelqu'un croit ça et il devient troisième exode? Parce que quand William Branham est venu, au lieu de donner en même temps son message, lui est venu d'abord ramener le message même du deuxième exode. Et il a fait avec ça 30 ans de prédication. Tout son ministère, c'est-à-dire 90% du temps de son ministère, il a prêché le deuxième exode. Pourquoi quand les gens ouvrent les brochures, ils ne voient rien que Jésus dedans, hein? Et quand les gens prennent ça, vous dites qu'ils sont dans le deuxième exode, vous ne voyez pas qu'il y a un petit problème. Il y a un problème. Par contre, les nouveaux messages qu'il a commencé à donner
d'une manière, disons, spirituelle en soi, toi, a pris forme après son départ. Et c'est ce que nous, on est en train d'apporter aujourd'hui. Et c'est ça le message, troisième élément. Le message que même bien venant au centre de tout, qui est l'adoration, baptême, le nom de Dieu. Mais le mettre au centre de tout, est-ce que ce n'est pas ce que les gens font, les autres font les gens, ils parlent de lui. Non, non, quand vous parlez, non, non, et ils disent clairement que le message est de Jésus. Jésus est Dieu, il est le chef, il est le Messie. Madame est son prophète. C'est pourquoi il continue même à estimer que c'est la Bible qui est leur absolu, plus même encore que les brochures. Donc, vous avez jeté la Bible maintenant. On pas jeté, mais si je trouve quelque chose dans la brochure qui n'est pas dit dans la Bible, je prends ça. Si je vois la Bible qui dit par exemple que Dieu s'appelle A, la brochure dit non, Dieu s'appelle B, je prends la brochure, ça le problème. Mais à rejeter la Bible, non. Mais entre la Bible et les brochures aujourd'hui, les brochures ont plus de l'onction, accentué, c'est actualisé que la Bible tout court. Parce que la Bible, à un moment donné, elle n'est pas plus grande que la brochure. Si le frère pense que la Bible dépasse la brochure, c'est une grave erreur. Ça dépasse pourquoi? Tu peux me dire. La parole de Dieu qui est dedans. La brochure, c'est pas la parole de Dieu. C'est la parole des prophètes. La Bible, c'est la parole des prophètes. Et celui qui est venu aujourd'hui qui le dépasse tous, et non pas nos jours. Qui doit être plus respecté? Parce que quand vous avez dans la Bible quelqu'un comme Miché, Abako, Alachi, quelqu'un qui vient et fait des trois prophéties, qui n'ont même pas pris une heure du temps, quand il les a données, il devient un prophète, on le respecte. Si aujourd'hui le ressuscité passe dans la rue, on vous dit, voici Ézéchiel en train de passer. Je crois que tout le monde sera dans la route. Oui, oui. C'est bon. Paul, il écrit des petites lettres pendant qu'il est en prison à ses amis, collègues, ministres ou ses ministres, jeunes ministres. Et à cause de ça, on dit, on va à l'église, on se met debout, on dit, mettons-nous debout, on lit les Saintes Écritures, c'est la Bible de Dieu. Etc., etc., avec tout le reste des prophètes. Les livres, les écrits, quelques témoignages donnés, on prend ça. Même l'histoire de Philippe, quand il a vu les Éthiopiens, on met ça, on lit la parole de Dieu. Prenez par exemple les évangiles. Jésus n'a pas écrit un livre. Oui, oui. Il est venu, il a prêché. Est-ce que lui savait au moins si je l'ai fait? Il ne savait même pas qu'on écrivait ce qu'il faisait. Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce sont les témoignages des gens qui ont vu des trucs passer dans la vie de Jésus. Et on considère ça que ce sont les évangiles. Mais évangile, c'est pourquoi la science refuse qu'il n'y a pas évangile. C'est évangile comment? Comment c'était évangile? Parce que l'évangile devait être écrit par un auteur. Et l'auteur doit être celui qui a envoyé. Mais Jésus n'a pas écrit. Vous voyez quelqu'un faire des choses, vous notez ça, vous écrivez, puis on appelle ça évangile. Pourquoi ils disent non? Mais nous on dit oui parce que là, madame appelle ça évangile. Mais là, ces gens ont écrit, et quand vous lisez même parfois, ils ont des versions différentes. Oui, oui. Mais nous respectons ça que c'est la parole de Dieu. Et quand William Branham parle, on vient nous dire, non, ça c'est brochure. Vous voyez, c'est ça ce qu'on dit. Il y a un problème toujours. Il y a un problème. Oui, oui. Maintenant, quelle est alors la doctrine du troisième des autres éléments? Bon, avant d'en venir à celui qui peut l'apporter. Mais la doctrine du troisième des autres, elle est aussi simple que cela. Parce qu'il faut toujours que les gens confondent la doctrine avec les points de vue qui s'attachent à cela, les petites opinions en détail. C'est pas de ça que moi je crois pas. La doctrine du troisième exode, le premier point de la doctrine du troisième exode, c'est la divinité suprême, incontestable, de Elohim, Wilna, Parel. Quand quelqu'un peut le croire comme étant le Dieu créateur, de Jésus, de Moïse, de toutes choses. Ça, c'est ça la doctrine. La première face de la doctrine du troisième exode.
c'est d'admettre, c'est de croire, c'est de comprendre, c'est de recevoir la révélation que William Marion Branham est Dieu le Père. Ce qui est carrément différent de dire c'est un prophète sauvé par grâce, comme dit le deuxième exemple. Et du coup, quand je le dis qu'il est Dieu le Père, son nom, c'est ça le nom de Dieu. Je me baptise dans ce nom-là. D'office, il devient le lien pour moi d'adoration. Quand ces éléments sont réunis, déjà c'est fini, ça c'est la base doctrinale du Père. Divinité, le baptême, le nom de Dieu. Ces trois choses-là finissent la chose. Parce que c'est ça qui permet maintenant à l'adorateur d'adorer. Il est baptisé dans le nom-là, il adore dans ce nom-là, il croit que cette personne est la personne de Dieu, c'est fini. Les trois points-là. Toute église qui croit ces trois points-là, c'est déjà une église seule, la troisième église. C'est dans le sens que c'est une église du troisième. Seule, c'est quand on est reproduit par son ministre. Donc, tu vois déjà que. Maintenant, le reste, les cheveux doivent être bleus, jaunes, blancs, ne portez pas mèche, n'ayez pas télé dans la maison, ne soyez pas sur Facebook. Ça, ce n'est pas une doctrine, ça. C'est pas une doctrine. Ah, ça, c'est ça. Ça, on appelle ça pas une doctrine, non? Le corps de l'homme dit chaque église doit avoir sa doctrine. Ça aussi, c'est un élément. C'est quand on dit chaque église doit avoir la doctrine, c'est ça. Il faut toujours que les gens se demandent c'est quoi la doctrine. La doctrine, c'est le point fondamental de la foi. C'est un point fondamental. C'est-à-dire, c'est la base de la foi. Mais la base de la foi ne peut pas être le chemin d'une femme. Qui ça change les habillements. Non, non. Ça, c'est les choses de la moralité. Ce n'est pas ça le fondement de la foi. Ça, ce sont des choses qui suivent. Donc, ça veut dire que ça veut dire que dans votre église, vous ne prêchez pas habillement de l'homme. Ah, quand on va prêcher habillement et ces choses-là, ce sont des éléments de la parole qui n'ont rien à voir avec la doctrine fondamentale. Dans une église, il y a les enseignements et puis il y a les prédications. Quand on parle de doctrine, ce sont des points d'enseignement qui font la colonne vertébrale d'une église. Alors que la prédication, ça c'est, il y a la moralité dedans, il y a la repentance dedans, etc. On prêche. Maintenant, il y a une question qui vient à l'esprit. Selon ce thème, ministre, pasteur, dans leur église, par exemple, si moi je crois qu'on doit adorer le lundi, ça veut dire ma doctrine, c'est l'adoration du lundi. Ma doctrine, c'est l'adoration de la soirée, bien du matin. Qu'est-ce qu'il va parler? Mais est-ce qu'ils ont compris, ce que signifie doctrine? Le problème est qu'il y a des gens, quand ils ont lu, Fabraham dit, chaque ministre doit avoir une doctrine. Sinon, on n'avait pas de ministère. Chaque église doit avoir une doctrine. Sinon, on n'aurait pas une église. Du coup, dès que quelqu'un prêche, il se dit, ok, il faut que j'aie ma doctrine. Et moi, ma doctrine, là, il faut quoi? C'est de créer une certaine croyance, on dirait une sorte de dogme, à commencer à publiciter, à montrer aux gens que comme quoi, voilà, ce sera moi ma doctrine. C'est pas comme ça que ça. Ce n'est pas ça. Quand on parle de la doctrine, prenez même le titre, l'exemple de la doctrine de Branham Tabernacle. Si on parle, regardez la doctrine de Branham Tabernacle. Je vais vérifier dans les sermons ordre de l'Église. Sinon, quelqu'un peut dire, mais il ne faisait que parler, il ne lisait pas. Mais c'est une émission qui n'a rien à voir avec une prédication enseignement. Et tout ce que nous disons, quelqu'un qui lit, c'est qu'il peut savoir où se trouve ce que nous sommes en train de dire. Et puis, en cas de besoin, on peut aussi donner la référence. Quand vous prenez l'ordre dans l'église de 1958, regardez les choses que Frère Branham est en train de dire dedans. Il dit ceci, il donne, c'est l'ordre, il donne maintenant la doctrine de l'Église. Écoutez maintenant comment il dit. Paragraphe 2 d'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que le pasteur a toujours la pleine responsabilité du tabernacle pendant mon absence. Et je ne regarde qu'au pasteur à mon retour.
il a la pleine responsabilité de changer ou de faire tout ce qu'il pense être le meilleur sous la conduite du Saint-Esprit pendant que je cherche. Ça, c'est une d'abord première croyance dans la doctrine. Quand on parle maintenant de la doctrine, regarde l'ordre qu'il met, d'abord de positionner quel est le rôle du pasteur dans l'Église. Il dit, lui, il croit que le pasteur est le chef dans l'Église. Et que c'est lui qui fait, qu'il demanderait des comptes. Alors, par exemple, nous croyons en une Église apostolique enseignant la bénédiction apostolique pour les gens de ces jours. Nous croyons en plein évangile et croyons que tous les signes et les miracles dont notre Seigneur Jésus a parlé devaient accompagner son Église jusqu'à son retour. Nous croyons en ces choses et croyons qu'elles doivent être mises en ordre. Et que l'Église a son ordre et chaque Église a sa doctrine, son ordre et sa discipline. Notre Église n'a pas de membres qui viennent juste pour s'y joindre. Nous croyons que toute l'Église universelle du Dieu vivant, ce sont nos frères et sœurs, et que toute personne, quelle que soit la dénomination à laquelle elle appartient, est toujours la bienvenue avant l'entrevenant situé au croisement de la rue 8e et de la rue Penn à Jeffersonville, Indiana. Paragraphe 5, écoutez la description de l'article. Nous croyons à la justification par la foi. Romains 5, 1. Nous croyons qu'une personne a la paix avec le Seigneur Jésus-Christ après avoir été justifiée par la foi. Mais il est possible que cette même personne ait des habitudes telles que boire, fumer, faire des choses qu'elle ne devait pas faire de ses habitudes de la chair. Nous croyons que quelqu'un peut venir croire la parole. Il est déjà justifié, mais il n'est pas encore sanctifié. Et il fait de mauvais actes. Nous croyons ensuite que le sang de Jésus-Christ sanctifie cette personne, comme là c'est la deuxième étape, sanctification. Nous croyons à la sanctification selon Hébreux, etc. Comme enseigné dans le Nouveau Testament, etc. Je saute, paragraphe 8, je saute encore. Pas toujours de sanctification, je laisse. Paragraphe 10. Nous croyons que le Saint-Esprit, c'est le fait de mettre le même vase en service, que le Saint-Esprit n'est pas une autre étape de la grâce, mais que c'est davantage de la même grâce qui remplit les croyants, au point que le signe et le prodige, etc., c'est manifestement. Il donne la description du point justification, sanctification, Saint-Esprit. Ça, ce sont les éléments de foi, de doctrine, dit de Brana Tabernacle. Je crois que l'Écriture enseigne que les dons et les appels sont sans repentance. Que nous naissons dans ce monde, nous y sommes envoyés dans un but, qui est le but de Dieu. Et qu'avant même que nous devenions adultes, alors que nous n'étions encore que des enfants, les dons que nous avons laissés de Dieu étaient déjà en nous. Et un jour, le Saint-Esprit le met juste en mouvement. Et il parle encore d'autres choses, il commence presque le même point. De 13. Ainsi, nous, en tant que Branham Tabernacle situé au croisement de la rue 8e, etc., nous essayons de vivre selon les enseignements du Nouveau Testament. Car nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et l'apôtre Paul était un vase appelé et choisi selon l'élection de Dieu pour être envoyé à l'église des gentils, afin de la mettre en ordre. Paul, un prophète, messager ou encore. Docteur ou encore missionnaire, envoyé aux nations pour mettre l'Église en ordre. Et ça anticipe même l'autre question là. Voilà quelqu'un qui peut mettre, qui peut donner la doctrine. C'est ça le don qu'il doit avoir. Maintenant, au Branham Tabernacle, nous croyons au baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le point qui est fait dans le baptême. La première partie là, c'est l'ordre mais voilà le point même de doctrine maintenant quand on parle. Baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. C'est l'enseignement apostolique. Et que tous nos membres peuvent, ou plutôt ceux qui viennent au tabernacle et qui désirent, peuvent à tout moment, sur leur demande, être immergés au nom du Seigneur Jésus. S'ils se sont repentis et qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ils peuvent consulter le pasteur qui, aussitôt que possible, même à ce moment-là, s'il le peut, les baptisera immédiatement. Cela les introduit dans la communion des croyants.
Nous croyons que par le baptême d'eau, nous entrons dans une fraternité. Par le baptême du Saint-Esprit, nous devenons membres du corps de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'il continue à énumérer la croyance. Nous croyons que autre chose que l'Esprit, la manifestation de l'Esprit est donnée à chaque homme, etc., pour l'équité commune. Tu peux descendre ici jusqu'à tu ne verras jamais que nous croyons qu'il faut adorer lundi, mercredi, jeudi. Il n'y a pas ça. Il ne fait aucune allusion ici d'un jour d'adoration dans sa doctrine. Oui, de l'habillement de... Non, non, même pour l'habillement, non, non. Il n'y a pas d'habillement. La parole, les dons, le baptême, la divinité, l'ordre dans l'église, ça, ce sont des points qui peuvent intervenir dans un cadre de doctrinal, c'est-à-dire le rôle d'un pasteur. Vous devez avoir un point de vue sur qui est le pasteur, il fait quoi. Ça, c'est un point qui peut intervenir dans la doctrine. Vous devez savoir chez vous comment est un diable, qu'est-ce qu'il fait, tout ça, adhérer tout ça. Ça, ce sont des points qui sont attachés à la doctrine. Le baptême d'eau, la divinité, le nom de Dieu, ça sont des points de doctrine. Chaque membre de l'Église doit avoir l'amour divin, etc. Nous croyons l'amour de Dieu envoyé à Jésus-Christ. Nous croyons que les adorateurs devaient se rencontrer, ceux qui ont des dons, comment ils donnent l'ordre des dons. Pendant le tabernacle, doit avoir un pianiste rempli du Saint-Esprit, comment il va faire les cultes. Les adorateurs sont entrés, ils sont accueillis à la porte, les diacres leur montrent les places, ils sont dans le silence, ils prient, l'esprit est dans la salle, s'il y a les dons, ça marche comme ça, prédication, interprétation, puis le pasteur est invité, il vient, le conducteur de chant, ou le pasteur lui-même entend le chant, comment il va prêcher, tout est décrit. S'il faut payer le pianiste ou non, tout est décrit dedans. Vous ne verrez pas dedans. Nous croyons qu'au grand tabernacle, vous devez ne porter pas de mèches. Ça, c'est quelqu'un de nous, adorons les dimanches. Ou bien, nous croyons que notre jour d'adoration, c'est dimanche. Pourquoi? Le soir. Ou bien matin. Dieu, on l'adore chaque jour quand on fait. Mais vous pouvez avoir certains jours qui sont les jours qu'on appelle les jours des assemblées solennelles. Ça, ça ne peut pas manquer. Dans notre vie, il y a toujours un jour spécial. On a des amis, donc là, madame, on a aussi des amis spéciaux. Ça, moi, je ne peux pas être comme ça. Moi, j'aime mes juste les amis. Juste ici. Mais avoir comme quoi, c'est ces jours. Donc, si toi, vous, les autres, n'en veulent pas dans ces jours-là, donc, ils sont. Ah, c'est des enfantins. C'est enfantin, ça. Okay. On n'a rien à voir avec. Ok, alors, les grands, revenons sur notre question ici. Qui détient la doctrine du troisième maison? Ah, c'est lourd. D'abord, pour vous aider un peu, révérend, nous avons vu dans le premier exode. Je ne suis pas mal là. Nous avons vu dans le premier exode, le conducteur était Moïse. Et quand Moïse est parti, nous avons vu ce qui s'est passé. Deuxième exode, Jésus. Quand Jésus est venu, il est là, le guide, le conducteur du deuxième exode. Quand il part, nous avons vu des leaders. Ils sont venus. C'est le troisième des autres, Frère Banane vient, il part. Qui aujourd'hui détient la doctrine du troisième des autres? Et qui est censé, en réalité, la donner aux autres? Parce que nous n'en croyons pas. Plein de leaders, parce qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui se disent qu'ils, c'est eux, d'abord d'autres qui ont rencontré l'ange, d'autres qui ont vu les visions, d'autres même sont visités par Frère Banane lui-même, qui les ont dit donc, allez passer l'évangile. Dans tout ces délits, nous révérons. Parce que nous voulons que vous puissiez nous aider. Qui détient réellement la doctrine de l'homme? Est-ce le frère Joseph Branham? Non, pas le troisième exode. On le met à part.
Oui, il n'est pas 43 ans, mais nous l'aimons beaucoup, il est déjà sauvé, il a le Saint-Esprit, c'est un grand prophète de Dieu, mais c'est un chef, à présent, du deuxième réseau, pas troisième. Donc vous voulez admettre qu'il y a un chef du troisième réseau de l'État? Un chef? C'est ça la question même. C'est grave, hein? C'est ça la question. Mais nous voulons que vous ne répondez pas à faire pendant. Mais... C'est ça que je dis que la question est difficile dans la mesure où. J'ai vu souvent, ça revient, surtout les gens qui nous ont coincés avec cette question-là. Ce sont les gens des cris de minuit. Oui, les gens de voilà, à Abidjan. Oui. Parce qu'ils avaient toujours l'habitude de faire voir que nous avons quelqu'un qui est là. Un prophète vivant. Ah, il y a des soucis, on va vers lui. Jésus est venu, quand il est parti, il y avait un Paul. Oui. Moïse est parti, il y avait un Josué. Et vous? Branham est parti, il a laissé qui? Franck dit que c'est moi, tantôt c'est Joseph Branham, tantôt c'est Jean de Bessons. C'est comme ça qu'ils nous ont attaqué. Et déjà dans le troisième épisode, nous avons même des bien-aimés qui ont dit, ah vous là, vous êtes là sur seulement parler, mais il n'y a pas l'autre. Oui. C'est pourquoi il y a ceux qui ont par exemple Thomas de l'air, parce qu'ils estiment que c'est lui le leader qui est resté après William Branham pour leur bien enseigner William Branham. Et chaque fois cette question est revenue, ce n'est pas quelque chose à négliger, ce n'est pas facile, ainsi de suite. À ce que je sache, à mon humble avis, je pense à quelque chose. D'abord, la première chose que je pense, c'est celle-ci. Dans l'Ancien Testament, c'est vrai, les choses étaient faciles. Pour voir Moïse, poignant, dans le Nouveau Testament, nous avons vu William Branham dire il ne veut pas, Joseph Branham pouvait le remplacer. Ça, c'est un ordre qu'il a bien aussi désigné ou laissé. Et aujourd'hui, Joseph Branham fait ce travail. Il a réellement remplacé dans ses fonctions. Nous avons toujours fait comprendre le fait qu'il fasse la différence entre remplacer Dieu dans ce qu'il faisait sur la terre ne signifie pas devenir Dieu. Oui, c'est ça. Ça, c'est un problème qui doit voir aussi régler les choses. Dieu est venu. Son travail, le travail de Dieu n'est pas de prêcher. Mais comme il devait être le dernier messager, comme il était le premier dans la Genèse, il est venu faire un travail qui ne l'appartient pas. Parce que William Branham dit, Dieu doit tout faire sauf prêcher. Ce n'est pas son travail. Lui, il est la prédication et non le prédicateur. Donc, quand Dieu vient prêcher, vous êtes sous le jugement. C'est pas bon. Voilà. Donc, ça fait que son travail où il est venu faire, être un chef d'une église, d'un mouvement, d'une fondation, il y a plein d'histoires qu'il avait, des grands tabernacles, des consorts, il a laissé ce travail-là à quelqu'un qui est venu. C'est ça à remplacer. Donc, et quand tu remplaces Dieu, ça ne veut pas forcément dire que comme tu as remplacé Dieu, tu es venu. Non. Paul a remplacé Dieu et Jésus. Et Paul n'est pas Jésus. Paul a même dit qu'il finit dans sa chair, c'est que Jésus n'a pas fini. Donc il est devenu Jésus. Qui a adoré Paul? Quand je vois le frère là baptiser les gens au nom de frère Joseph, quand tu regardes son visage, tu vois toi-même qu'il y a plein de démons à lui. Même les yeux, ça. Tu regardes, tu vois toi-même que le petit n'est pas là. Mais il y a ça aussi à nommer ici. Un adorateur. Oui, il y a des. Ce sont les esprits. Non, les esprits, il faut bien les regarder dans les yeux. Tu verras que c'est pas tranquille. Ça ne marche pas. Pas tranquille. Je voulais même écrire ce jour-là, un commentaire. Et mon petit désir, même, ça prouve qu'il y a beaucoup de démons, hein, mais je me dis que ça peut blesser. Je vais laisser. Mais donc, ça fait qu'on peut remplacer Dieu, mais on n'est pas dit. Non. Mais grand prophète, on est ceci, cela, mais remplacer ne signifie pas de Dieu. Les autres, non, parce qu'il a dit, mettez un double esprit à moi. Non, quand vous allez dans le double esprit, là, il y a trop d'explications. Quand tu peux prendre le double esprit, tu commences à multiplier 2 fois 2 égale 4, 4 fois 4 égale 16. Donc, il dit, je deviens Dieu. Ça, c'est le raisonnement. Tu sois togolais, congolais, africain, je ne sais pas quoi. C'est pas comme ça que Dieu raisonne. C'est pas comme ça. Et quand vous allez dans le détail, Dieu te dit, non, double. Portion, ça veut dire faire plus un travail, produire plus de résultats. C'est pourquoi quand Frère Branham dit double portion, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres, il a fait encore
davantage. Il dit, ce n'est pas faire grand œuvre, non. Mais c'est multiplier. Parce que vous n'avez pas de multiplier un homme pour dire qu'il est plus petit que Branham. Et quand vous allez dans les œuvres, on ne voit aucune œuvre qui n'est pas Branham. Maintenant, on est grand dans les œuvres, même dans la parole. La garder le message. C'est ça, et gardez-moi dans les quatre mémoires. Le fait de garder le message dans les quatre mémoires, ou bien. Et tu viens où tu. Ah, c'est ça qui fait grand, parce que ça, William Branham ne l'a pas fait. Lui, il a emmagasiné. Mais lui est venu publier, multiplier même dans plusieurs rangs. Ça, c'est une proportion. Ça, c'est être grand. Ça, c'est faire plus que William Branham. Mais guérir les malades, il ne guérira jamais un homme comme William Branham. Mais nous avons reçu la paix, il peut le faire, il peut la venir. Accorder même 30 ans, ça ne viendra pas. C'est pourquoi vous verrez les sessions que Mme dit, il n'y aura plus de grand, rien de grand après moi. C'est des choses qu'on est tous. Et s'il crée un jour, comprends? S'il crée un jour. Non. Ça ne viendra pas. On est là. Si ça vient, on va se repentir. Mais pour le moment, on ne voit pas ça, ça ne viendra pas. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça là. Tu as déjà vu Dieu prendre trop de plaisir pour faire des signes autour de feu Joseph, comme il faisait avec Abraham. Quand il était sur la terre, Dieu n'était pas, il ne dormait pas. Dieu n'était pas tranquille. Dieu n'était pas tranquille. C'est les animaux qui viennent, tantôt lumière ici, tantôt lumière. Dieu n'est pas tranquille. Il veut seulement qu'on voit. Je le fais dans la paix. C'est ça. Et puis Dieu s'agitait. Maintenant, bien sur la terre, Dieu fait qu'il y ait plein de maladies pour qu'il puisse le guérir. Et aujourd'hui, les morts, ils le récitent. Le révérend doit rester combien de morts. Et donc, avant qu'il dépasse William Branham, il faut multiplier le nombre de morts qu'il fera pour faire la double portion. Donc, tout ça là, ça doit être censé et bien compris. Donc, ça, c'est une parenthèse pour dire que les gens ne devaient pas, à propos de ça, dire que non. Mais au moins, c'est quelqu'un qui est resté dans les deuxièmes exodes, qui a remplacé et qui est chef des deuxièmes exodes. Maintenant, dans les troisièmes, justement, là, nous avons un problème. Le même Saint-Esprit qui est avec Frère Joseph dans les deuxièmes, le fils de David selon la chair, parce que David, c'est Abraham, il est le fils de Abraham selon la chair. Donc, et avec nous, la postérité de Abraham spirituelle. Parce que nous, on est la postérité de Abraham spirituellement. Les Joseph et les autres ont la postérité physiquement, naturellement. Maintenant, nous, qui est le chef du troisième exode? En tout cas, si aujourd'hui, moi, je désigne un frère, un pasteur, docteur ou apôtre, qui pour dire celui-là, qui est le chef du troisième exode, ça sera un mensonge. Et pourquoi? Parce que, un chef du troisième exode, un chef d'un exode, soit qui fait la suite, d'abord le chef de l'exode, premièrement c'est le Saint-Esprit, d'une manière générale. Maintenant le Saint-Esprit là, quand un exode commence, comme ça a commencé avec les apôtres, il y a un monsieur appelé Pierre. Ils étaient nombreux. Le Saint-Esprit est venu sur eux tous, 120. Mais un a pris la parole. Parce que Jésus avait déjà dit, tu donnes la clé, tu vas fermer les autres, etc. Quand il prend la parole, il parle. Il ouvre la chose. Et vous verrez à l'époque, c'est par lui que les gens recevaient le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est l'ordre du deuxième exode. Quand Paul arrive plus tard, lui n'a rien eu avec eux. Paul n'a pas laissé le Saint-Esprit par Pierre, non. Mais au moins, Ananias, qui l'a imposé les mains, il en avait laissé par Pierre. Donc, ce qui fait que Paul, malgré où il a eu quand même, donc, il était un peu indépendant, après il s'est rejoint à eux. Maintenant, il y a eu déjà un souci entre Paul et Pierre, qui est le chef deuxième exode après Jésus-Christ. Ça, déjà, ça crée un problème. Et puis, ils étaient une dizaine. Les apôtres, oui. Voilà. Et chacun faisait quelque chose. Alors, ni Pierre, ni Paul,
ni Anania, ni Timothée, ni Jacques, Gilles, tous ces gens, personne n'a désigné quelqu'un à l'époque comme étant un chef de leur réseau d'appeler Jésus. Personne. Ils n'ont même pas eu ça dans leur pensée. Mais Pierre a simplement reconnu une seule chose, on m'avait laissé une clé de faire quelque chose. De la même manière que Frère Joseph sait aujourd'hui qu'on lui a laissé une clé et il fait quelque chose. Il avance avec ça. Maintenant, quand Paul entre en scène, lui il dit non, non, moi Dieu me dit, je dois aller vers les nations, les gentils. Et il est allé vers les gentils. Pierre reconnaissait en Paul un grand homme. Mais il n'a pas dit c'est lui notre chef. Tout le monde et tous disaient leur chef, c'est Jésus-Christ. C'est plus tard quand William Branham vient, il le regarde. Il dit, âge d'Éphèse, chef, c'est Paul. Il laisse Jean, l'écrivain de l'Apocalypse, qui a eu des grandes révélations. Il laisse Pierre, qui avait la clé, et tous les autres. Il dit, c'est Paul. Il dit, c'est Paul même qui a mis l'ordre entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Qui vient dire ça, William? En d'autres termes, Dieu lui-même qui vient décider. Quand lui vient parler. Et quand maintenant vous allez dans les actes, dans les œuvres, vous trouvez que réellement Paul mérite ce qu'on lui avait donné comme responsabilité. Mais est-ce que lui-même l'avait réclamé? Non. Paul savait qu'il est messager? Non, il ne sait pas. Parce que d'ailleurs, quand on écrit l'Apocalypse, Paul n'était même plus là. C'est-à-dire, écrit à l'ange de l'église de Thessalonique, il n'est même plus là. Donc, c'est pour dire que. Si aujourd'hui, moi je me disais, voici celui le chef, je ne pense pas que ce serait très correct dans la manière de Dieu de faire. Et pourquoi vous désignez vous-même par exemple? Maintenant, moi je vais me dire, par exemple, c'est moi le chef. Ça serait un peu comme ce que Frère Branham appelle. Il appelle ça comment? Il appelle ça. Bon, il appelle ça prétention. Mais Paul sait, quand Paul parlait, Paul disait qu'il avait reçu des grandes révélations. Puis il dit, d'ailleurs, Dieu sachant qu'il allait me donner des grandes révélations, il m'a laissé commettre des coffres pour me diminuer. Et c'est l'une des choses qui le dérangeait beaucoup, fille, le fait qu'il était témoin de la mort des tiens. Parce qu'il a tenu les habits en main pendant qu'on tuait Étienne. Il a vu comment Étienne a rangé l'âme. Ça lui a rongé toute sa vie. Ça lui faisait mal malgré qu'il était converti. Et pour Paul, ses infirmités aussi de la chair, que Dieu ne guérissait pas. Malade, tout ça, Dieu ne les guérit pas. Tantôt les chiens, tantôt les tout ça, Dieu ne les guérit pas. Ça les rendait humains. Ils comprenaient. Ils s'abaissaient. Mais il était le. Il savait. C'est pourquoi. Maintenant, comment il manifestait ce pouvoir-là? On savait qu'il était un chef à partir de la manière dont il parlait. L'ordre qu'il mettait dans les écritures. C'est comme ça que les choses de Dieu se révèlent. Pas par les désignations. C'est sûr que chef. C'est moi qui suis. Même le Messie lui-même, quand il est venu, ne dit pas aux gens, c'est moi qui suis chef. Il dit aux disciples des gens, allez lui dire ce que vous avez vu. Et entendu, les aveugles le voient, ceci font, ceci fait. Et quand vous verrez dans les Écritures, c'est comment on désigne un chef pour les exode, vous voyez ces choses-là dans le ministère ou dans la vie de cet homme-là, vous pouvez vous-même voir, oui, c'est lui. Ce sont les chrétiens. Ça, c'est un leader. C'est le peuple qui doit voir. Dieu aide le peuple à voir. Et non, la personne lui-même venir. Moi, je suis le chef du troisième exode. C'est moi qui ai la devise. Dès que tu vois les gens qui lui, là, il a. Là, maintenant, supposons que des gens vous appellent et vous désignent en tant que leader. Allez-vous accepter? Bon, quand, si on vous dit que vous êtes un leader, un conducteur, mais vous allez refuser comment du moment où tu as un ministère. Parce que dès que tu as déjà le ministère, tu es un conducteur.
Non, ça dit, on vous appelle, on vous désigne comme étant celui-là même qui détient la personne du deuxième élément et qui doit enseigner aux autres. Et chaque personne qui dit ça, qui croit en cela, est libre, indépendant de croire dans un ministère et ça, c'est mon leader. Si je reviens à l'exemple de Paul et des autres, je m'imagine qu'il y avait quand même des gens qui suivaient carrément Pierre derrière. Oui, oui. Il y avait même certains juifs qui ne voulaient jamais coopérer avec les gens de nation. Je me rappelle, il y a eu des débats à Jérusalem sur le fait que non, pourquoi Paul là même il mange avec les païens puis il va venir vers nous, pas question. Alors que Dieu leur avait déjà montré, même par le songe qu'il a donné à Pierre, que ça pouvait aller aussi avec les païens. Mais il était catégorique que non. Alors que dans les prédications de Paul, il dit mangez tout. Et il continue encore à dire aux gens que non. Et ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela. Et estimant même qu'il y a ceux-là qui ont des doctrines qui vont dans le sens des pervertis. Donc ils allaient carrément dans cette. C'est pourquoi les gens pensent que non, tout est parfait. Les apôtres étaient, on dirait, comme à la quai de l'Église. Non. Il y avait des points de vue contradictoires. Quand vous le regardez, vous dites, mais, et là, ils vont comme ça, et ça, là, ça s'emballe comme ça. Donc, maintenant, le problème, comme je venais de le dire, un prophète, un leader, un missionnaire, quelqu'un comme Paul, comme je venais de le dire, on se connaît. Toi, tu dois toujours te connaître qui tu es. Quel est le ministère que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Dieu te dit? Maintenant, pour savoir si quelqu'un, toi, tu es un leader, et celui qui a dit ça en toi, par humilité, tu peux dire non, comme Frère Abraham le faisait souvent. Mais, à un moment aussi, il disait, tu as eu un discernement, c'est la chose. Parce que chacun sait quel est le ministère qu'il a et qu'est-ce qu'il fait avec Dieu. Et maintenant, ces choses-là, comme je le disais, ce sont des choses qui se vivent, qui se manifestent. Par exemple, quand tu prends Paul, quand il croit que Paul était le chef du deuxième exode, c'est ce qu'il dit, vous verrez qu'il donne le pourquoi. La raison pour laquelle il est chef. Quand vous prenez le second témoignage, péché à Jean-Sibor au dimanche de 10 mai 53-41, c'est pourquoi les gens étaient guéris à partir du mouchoir que Paul envoyait. Ils savaient que Dieu était dans cet apôtre-là. Ils savaient qu'il n'était pas seulement un apôtre, il était un prophète. Paul, oh, c'était un prophète. Donc, les gens le savaient. Les gens savaient que Paul était un prophète. C'est ce qu'il dit. Et on prenait des mouchoirs, c'est pourquoi on dit toujours que c'est les gens qui doivent savoir. C'est pas la personne. Paul n'a jamais dit à quelqu'un je suis prophète. Et les gens disent tu es prophète. Quand c'est les gens qui parlent, toi tu n'as plus rien à dire. C'est pas ta faute. Ils ont vu quelque chose en toi. Toi reste seulement humble. Mais ce qu'ils disent là, c'est ce que Dieu leur a fait révéler sur toi. C'est pourquoi ils prenaient les linges et touchaient son corps et les mauvais esprits sortaient. Les gens eux-mêmes venaient prendre le mouchoir pour mettre sur Paul. Ils ont oublié qu'il faut être les chrétiens. Nous voudrions voir Jésus prêcher les 12 gestes 62 aux États-Unis. Paragraphe 5. Je crois que Paul était très fondamentaliste. Un leader de l'exode. Fondamentaliste. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui a des doctrines dans l'air. Il a la base scripturale. C'est culture. Un prophète, un apôtre, un docteur, fondamentaliste. Ce sont les caractéristiques d'un leader d'un exode. Qui n'est pas désigné par un individu, qui ne s'auto-désigne pas, mais que nous découvrons dans son enseignement. Fondamentaliste, il est à la fois ministre missionnaire, il est à la fois docteur, il est à la fois un prophète. Un prophète commence quand il prêche l'enseignement qu'il va dans les sphères professionnelles, de prophétiques. Quand quelqu'un commence à vous dire, quand le pire apparaîtra, ça déjà il est prophète. C'est lui que le Seigneur va détruire. Donc, il commence à développer les choses qui sont dans la pensée de Dieu. Ça, c'est un prophète. Quand il relie bien les écritures, en leur donnant une harmonie, le faisant dire la même chose du début jusqu'à la fin, ça c'est un docteur. Il les interprète bien. Quand il
enseigne les Écritures en donnant, en les plaçant dans l'ordre, mettant la parole dans l'ordre. Et puis, il est envoyé à l'étranger ou à d'autres nations. Là, il est missionnaire. C'est ça, je crois, que c'est que Paul a dit, y compris le fait d'être fondamentaliste. Dieu n'aurait pas permis à cet homme d'écrire la Bible, le livre de la Bible. Je crois que Paul, dans le Nouveau Testament, était comme Moïse dans l'Ancien Testament. Et Paul était un prophète missionnaire envoyé vers les gens. Un prophète, un missionnaire, un docteur. Quand tu prends l'exposé de cet âge, même chose. 247, troisième année, comme je l'ai déjà mentionné, les historiens désignent cette âge comme l'époque de la réforme. Ils ont entièrement raison. Il descend, je saute, il dit, comme on aurait pu le faire, il dit, mais lui, il est un homme comme l'apôtre Paul, qui était à la fois apôtre et prophète. Un docteur, enseignant, prophète et puis apôtre. Et dans sa vie, il vivait comme cela, dans cet ordre-là. Ce sont ces choses-là qui ont fait de Paul le leader du deuxième exode après Jésus. Malgré que Pierre était là, le témoin. Pierre est le témoin, il a les clés, mais Paul a eu cette grandeur. Pas parce qu'il avait beaucoup de livres. Regarde le petit livre qu'il écrivait. Il n'avait même pas une grande église. Deux personnes dans une maison, trois ici, deux là. Pas d'église. Jean même et les autres avaient un peu plus d'église. Pierre avait plus de croyants que Paul. Mais ce n'est pas lui le chef des autres. Le chef, c'est Paul. Donc, si aujourd'hui, nous voulons tirer l'exemple par rapport au deuxième exode, nous croyons que celui qui peut donner la doctrine du troisième exode n'est pas une personne qu'un individu va décider. Ou un groupe de gens va désirer. Chacun a le ministère pour prêcher ce que Dieu a mis en lui. Mais quand il s'agit de donner l'ordre dans un exode, il y aura parmi eux un. Comme Paul. Oui, c'est ce Seigneur-là que nous voulons découvrir. Il faut maintenant le découvrir. Avez-vous une idée sur quelqu'un? Il faut le découvrir par ses enseignements. On prend l'enseignement des gens. Je vois qui sont les gens qui sont là dans le troisième exode. On se dit tant je note. Je prends même une dizaine. Je commence à écouter les enseignements de près en comparant aux écritures. Je peux savoir que non, ça, c'est un apprenti ou bien. Maintenant, vous, en tant que enseignant de la parole, en tant que révérend pasteur, avez-vous déjà une idée sur le papier? C'est ma question. Vraiment. Bon, tu vois. Le problème est que je serai le mal placé. Parce que si moi je parle, je vais influencer quelque chose. C'est comme si j'influence quelque chose, j'insinue quelque chose. Mais moi je voulais juste attirer les gens, les éclairer à la lumière des Écritures, comment ils peuvent découvrir celui qui donne l'ordre dans un. D'abord, un, que les gens évitent la pensée de croire qu'on va prendre un groupe de gens désignés. Non, non, ça déjà c'est dénominationnel. On ne peut pas faire ça. On ne pourra jamais prendre. Choisissons. Mettons celui-ci. Non, ça veut dire au moins on prend le pasteur du Congo, au moins on fait un pasteur comme ça, on se met dans la région. Puis on fait vote, ou bien on prie, on dit que c'est lui qui est. Non, non, ça on ne peut pas faire. C'est dénominationnel. On ne peut pas faire ça. Maintenant, les pasteurs soit me disent, c'est moi qui ai la doctrine, je vais vous distribuer ma doctrine, c'est moi qui ai. Ça, c'est faux. Dès que quelqu'un fait ça, frère madame, vous savez déjà que c'est faux. Mais quand quelqu'un sort, il vient, il prêche la parole. Il vient, il prêche la parole. Et vous voyez que quand Paul prêchait, Paul ne se prêchait pas. Oui. Il parlait vraiment de Jésus, de tout son cœur. Après, même, il a donné sa vie pour mourir à cause de lui. Mais il n'empêche que nous avons trouvé dans la personne le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu au point que son corps guérit même le malade. Le pouvoir de Dieu au point qu'il a l'ordre des Écritures, des enseignements et même de l'ordre prophétique. Ce sont ces choses-là qui ont rendu Paul ce qu'il est aujourd'hui pour tout le monde.
Donc, moi, c'est ce que je dis que les descriptions sont là. Nous les prenons. Moi, j'ai une idée. Je peux savoir aujourd'hui que parmi tous les ministres qui existent, que je connais, sauf si j'ignore quelqu'un, mais sur la liste de tous ceux que je connais, c'est une fille prêche comme ça. Je peux savoir que non, ça, c'est un docteur, il n'est pas Paul. Parce que, je me répète, pour être Paul, il faut avoir au moins trois ministères réunis en un. Ce n'est pas juste être un apôtre. Non, Paul n'était pas seulement un apôtre. Il était un apôtre, il était un prophète, il était encore un docteur. Donc, ce qui fait que c'est quelqu'un dont les trois choses tournaient en lui. Pas parce qu'il avait une grande église, non. Mais on dit bien, il avait des églises dans des maisons. D'ailleurs, il a passé plus de son temps en prison. Mais le problème est que quand il ouvrait la bouche, même que ses prédications, beaucoup d'esprits, il écrivait. À part acte où il était devant le roi Agrippa et tout ça. Beaucoup de trucs, il écrit. Ce sont des lettres. Paul n'a pas même dit le privilège de prêcher en onction. Alléluia, Dieu me dit, Jésus a dit non. Assis dans un coin. Vous qui sommes à Macédoine, bon shalom, je vous écris aujourd'hui dans mes souffrances et Jésus-Christ, notre Dieu, quand il devait paraître. Écriture, même pas prédication. Et c'est ça qui définit aujourd'hui ce qu'il est en tant que grand tout ça. Donc, aujourd'hui, quand nous verrons un ministre, parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que si tu as beaucoup d'argent, tu peux être le leader. Beaucoup de vestes, voitures, beaucoup de croyants, ça fonctionne. Ça, c'est la sociologie ecclésiastique, ça. Les esprits, c'est ça, les démons et les démons. C'est ça. C'est pas comme ça qu'on ne résout pas ces choses-là comme ça. C'est pas ces choses-là qui feront de quelqu'un blanc. Rien. Des musiques. J'ai des chorales, j'ai des musiques. Voilà, l'église là, plein sa bouche comme ça. C'est pas ça. Paul n'avait pas ça. Parce que je parle ici en tenant compte d'un exemple vivant qui est Paul. Il n'avait pas toutes ces choses-là. Même la chair pour prêcher, il n'en a pas. Un temple même, il n'en a pas. Les gens sont à Corinthe, ils sont ici, ils sont ici. Il n'a pas. Quel est le temps? Vous avez vu dans quel. Tous les écrits de Paul, on appelle ça les lettres et épîtres. Vous avez vu, on dit, Paul, voilà, Paul était là en train de prêcher. Écrit, l'écrivait. En commençant depuis Romain. Ça commence de Romain là-bas jusqu'à là où il va finir. Donc, c'est pour dire en conclusion qu'il faut avoir une vision prophétique du message, cette capacité prophétique du message, plus les dons d'enseignement, plus les dons apostoliques, là tu peux être un leader des autres. Et ça là, il faut carrément associer à ça là. Si tu as ces choses là, la vie veut dire dans ta vie, il faut qu'il y ait ce qui est l'ombre. Tu ne peux pas mettre l'ombre dans une église qui est un corps grand de tout un exode, alors que tu n'as même pas l'ombre dans ta propre petite vie familiale. Si tu es incapable de mettre l'ombre même dans ta propre petite chambre, de peut-être 10 mètres carrés, c'est le corps en Christ qui va mettre l'ombre. Tu as vu le témoignage qu'on dit de Frère Branham. Même sa gilette avait un lieu où ça laissait. C'est ça, l'ordre. Être ordonné. Être un homme de principe, c'est ça ce qui te fera un homme, un fondamentaliste. Si tu es quelqu'un de plaisanterie, de rirerie, et tu goûtes dans l'air, tu vas être leader de la maison. Tu vas donner l'ordre à qui? Tu seras l'exemple de qui? Parce qu'un leader se confirme pas d'avoir un exemple. C'est quelqu'un qui apprend aux gens comment bien faire. Ce n'est pas quelqu'un qui est là soit pour insulter les gens ou bien pour les blesser, les briser. Non! Il apprend, il corrige. Vu qu'aujourd'hui, avec l'internet Facebook, quelqu'un peut faire beaucoup de vidéos sur Facebook, il le considère comme étant leader. Non, ça, c'est une conception moderne des choses. Ça, c'est le diabolique. On prend les choses du monde pour mettre en danger. Bon, quand on fait les vidéos, ça ne nous rend pas des leaders, rien. Pas du tout. C'est juste l'esprit évangélique, c'est tout. Et surtout le fait, le désir de vouloir être dans une position où
où la visibilité est facile. Parce qu'on vit dans l'âge de la science. Voilà. Et tu ne peux pas aujourd'hui être ministre qui va se cacher. Donc tu dois être visible. Tu peux vouloir te rendre visible, c'est pas mal. Et si tu le fais dans un mauvais esprit pour se rendre célèbre, là, c'est Dieu qui connaît que c'est pourquoi tu fais ça. Et tu auras quand même que Dieu ne sera pas dedans. On va nous dire alors, que depuis le départ de Frère Branham, quand on joue aujourd'hui, le troisième réseau n'a pas encore un leader. Il y en a. Les personnes ont un leader. Je dis, prenons les descriptions, là, trouvons-le. Dieu ne manque jamais un témoin. Parmi nous, le prédicateur, là, il y a un à qui Dieu a donné les qualités, dont son message, sa vision, quand il fait sa doctrine, là, sa façon de voir, là, c'est une vision inclusive. C'est ça, un leader. Un leader, il a une vision qui est inclusive. Ça ne veut pas dire qu'il a tout le monde avec lui, non. Paul n'avait pas tout le monde avec lui. Mais il avait une vision inclusive. C'est-à-dire qu'il pouvait donner à Pierre sa place dans les Écritures et déterminer la place de ceci et de cela et de ceci et de cela. C'est tout. Donc, on a dit tout à l'heure, vous avez dit ici que vous, quand vous écoutez quelqu'un prêcher, vous sentez en même temps qu'il est docteur, il est apôtre. Je voulais dire que c'est vous qui l'idée. Comment ça? Parce que vous avez dit que Paul pouvait mettre la place à Pierre. Justement. Ah! Non, quand je dis dans ses prédications, Paul connaît qui est Pierre quand il prêche. C'est pourquoi quand il dit par exemple, Pierre et les autres sont restés ici, moi je suis là-bas. C'est petite cette phrase-là. Mais les gens qui blâmaient Paul, qu'il mange avec les païens, ils n'ont pas saisi ça. Et Pierre, Paul lui, avait saisi ça. Paul lui pouvait comprendre que manger la nourriture sacrifiée aux idoles, ce n'est plus un problème. Et les autres, non. Ils ne voyaient pas ça. Ils ne voyaient pas ça. Alors qu'ils avaient le Saint-Esprit. Donc, c'est ce que je dis que le fait de connaître que celui-ci a peut-être été, même toi, tu auras tout le monde qui a l'instruction du message, peut écouter quelqu'un prêcher et savoir que lui, c'est un évangéliste, tout court. Lui, c'est un pasteur. Lui, c'est un docteur. Celui-là, c'est un prophète, ainsi de suite. Ça existe. Ça, c'est possible. Mais, quand il s'agit de savoir qui est quelqu'un dont l'enseignement, parce qu'il faut parler de l'évangile, je me répète, quelqu'un dont la vision, la doctrine de la parole ou du message, je me répète, est inclusive. Quand on dit, d'abord, c'est fondamental, c'est donné. C'est ordonné conformément aux Écritures, un enseignement pur et clair et plus prophétique. C'est fini. C'est ça. Quand vous voyez ça, vous savez que ça, c'est un modèle à suivre. Et du coup, il influencerait les gens sans les vouloir, sans leur dire. Et les gens se retrouvent en lui, même en cachette. Maintenant, vous qui vous êtes. Puis après un jour, s'il n'est pas là, comme toujours, mais là les gens disent, ah, c'est une réalité. C'est comme aujourd'hui, souvent, dans l'histoire du message, on parle beaucoup du frère Kapita. Ah, le grand Kapita. Mais on parle trop sur lui parce qu'il n'est plus là. S'il était là, on n'allait pas parler. C'est souvent comme ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, même divin mille, quand on est là comme ça, il sera difficile de dégager ce leader, alors qu'il est là. Parmi les ministres, il y a un qui est leader. C'est-à-dire, donc, ses enseignements sont inclusifs. Ça reflète plus l'inclusivité de la vision de Dieu. Dès que vous avez ça, vous savez que non, ça, c'est ça qui est le leader. Et quand vous pensez comme ça, et vous en trouvez comme ça, c'est pas un péché. Vous n'êtes pas hors les écritures. Non, c'est confort. C'est confort. C'est pas mal. Parce que le Saint-Esprit agit dans les gens. Il est le chef, mais il agit dans les gens. Et les gens n'ont pas le même don. Et les étoiles ne brûlent pas de la même manière. Chacun a son intensité de lumière. Donc, où est le problème si je me rends compte que non, lui. Donc, si je vois aujourd'hui, le révérend tel qui est à Kinshasa, qui est au Congo, qui était l'endroit, est grand. Donc, quel mal j'ai fait? Pas mal.
Parce que souvent, on pense que ce n'est pas mal quand on diminue les gens. Ils sont petits. Ils n'ont rien fait. Ils ont péché. Là, on est bien. Oui. Mais pour dire, il est grand, là, ça devient un problème. Donc, c'est ça aussi nos talents africains. C'est un talent, ça? Un talent négatif, justement. Ah, okay. Ah bien, bien, bien. Et là, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Et j'aimerais que vous puissiez nous répondre ici, devant la caméra. Hein. Beaucoup de gens vous appellent. Révérend Zoé, pasteur Zoé, mon mentor, mon glorieux pasteur, la porte de l'Ouest, le cavalier de l'Ouest. Et alors, quel nom vous aimez? Un nom que moi-même j'aime. Non, ce que je sais, il y a une seule chose que j'aime beaucoup, pour laquelle je peux beaucoup remercier de ma propre vie privée. En tout cas, c'est le fait que je sens en moi continuellement, depuis l'âge des raisons jusqu'aujourd'hui. Si j'avais 5 ans, je ne sais pas, 7 ans, 8 ans, je ne sais pas. Depuis cet âge-là, jusqu'aujourd'hui, j'ai une prédisposition en moi et un sentiment très fort attaché à Dieu. Pour lui plaire, pour être avec lui, pour être son enfant, comme quelque chose indéniable à laquelle je ne peux jamais me détacher. Ça, c'est la toute première des choses, la plus meilleure, la plus grande, la plus simple, que je connais, chez moi ou à moi. Et c'est ça que j'aime beaucoup et que ça me plaît beaucoup. Parce que je ne m'intéresse pas trop. Le reste des choses, c'est après. Mais ça, déjà, ça me plaît. Donc, cela fait que cette chose est tellement ma consolation qu'est opprimée, insultée, rejetée, blâmée ou quoi, dès que je me connecte dans ma chose là, que moi et tu es là, du coup, je me sens bien. Donc, c'est ça la plus grande chose que j'aime. Maintenant, en ce qui concerne les appellations, en tout cas, je n'en ai pas une. Aujourd'hui, si tu me regardes, je ne m'appelle jamais docteur Zoé. Je ne m'appelle pas comme ça. Je ne m'appelle pas prophète Zoé. Je ne m'appelle pas apôtre Zoé. Sincèrement, je n'ai aucun titre. Dans ma signature, je mets juste mon nom, Zoé Kunga. Après, pour une petite précision, parce que j'avais chaque fois des problèmes au salon, par-ci, par-là, quand on veut me préciser le travail, tu fais quoi? Alors, j'ajoute révérend ou missionnaire. Très souvent, même dans mon passeport, on a écrit missionnaire. Donc, c'est missionnaire, révérend, les deux mots-là qui me reviennent souvent. Et quand les gens m'appellent mon révérend, en tout cas, je suis à l'aise avec ça, ça ne me dérange pas. Pasteur, je ne me retrouve pas trop dedans, ça me pèse un peu. Mais révérend, c'est un peu passable. C'est quelqu'un à qui on a du respect, je fais un travail qui mérite qu'on me respecte, et du coup, je me contente de ça. Alors, le mentor, oui, c'est bon, c'est une bonne description, mais ça pèse un peu. Mon Seigneur, tout ça, c'est bien. J'ai vu des critiques, des fois, on me critique que non, les gens m'adorent, les gens m'ont fait, les gens m'ont dit, mais je n'ai jamais dit à qui que ce soit comment ils devaient m'appeler. Les autres, prophètes. Pour les uns, je suis un prophète. Pour les uns, je suis un docteur. Pour les uns, je suis un apôtre. Bon, moi, maintenant, si je devais prendre, je prendrais quoi? Tu vois que ça sera compliqué. Parce que ils ont des enseignements sur les audios, sur les vidéos, et quand ils m'écoutent prêcher, je ne fais pas d'effort pour prêcher quoi que ce soit. Non. C'est naturel. Moi, personne ne m'influence. Tu m'as posé cette question. Non, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Non. Je n'ai pas un sujet que je vais, avant de prêcher, je vais prendre la prédication d'un ministre, d'un qui peut écouter, puis je vais m'inspirer, puis je vais prêcher. Non. Quand je suis venu à la fin de l'Ouest, surtout au début là, les gens pensaient que je répétais les bases d'un certain pasteur, j'ai couru tout ça là. Et ça me faisait rire. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça.
Et ils se sont rendus compte après que non, le gars a une vision qui est à part. Des choses que moi je parle, je peux prendre un sujet aujourd'hui dont je ne connais pas totalement le contenu, mais avant que j'arrive le jour d'aller à la chèvre, j'aurai des ouvertures. Et la façon que ça vient, ce sont des secrets, je ne peux même pas le dire, peut-être en public. Donc ce sont des secrets parce que je me rappelle comment nous avons commencé à vivre. Le problème que je sais qui est vrai, que Dieu nous avait réellement appelé. Ça, au moins, c'est la vérité. Comme 1 plus 1 égale 2, l'appel, oui, ça, on peut avoir des erreurs graves. On peut même dire, ouais, c'est l'homme le plus mauvais mondain du monde. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quant à être appelé, oui, ça, au moins, oui. Ça, quand même. Donc ça, vous croyez. Donc ça, je le crois. Si je ne le crois pas, le Dieu même n'existe pas. Pourquoi un jour j'avais dit, si je ne crois pas au ministère, je ne peux même pas croire que j'ai été sauvé. Autant je crois que je suis sauvé, je suis croyant, autant je sais que Dieu m'a appelé. Et très tôt, je suis très petit, quand j'ai découvert cet appel. Et j'ai eu encore plus de grâce de rencontrer Dieu dans plusieurs signes, dans plusieurs dimensions. Et c'est à partir de là qu'il nous donne des informations, des ordres, hein, qui nous permettent de saisir la parole. Si nous parlons, mais parti à longtemps, on n'était pas là. Entrer dans son message aujourd'hui, aller dans la Bible, les trouver, les mélanger, les... Mais comment je vais faire ça? Tu vas faire ça comment? Un Américain, moi je suis Africain ici. Je l'ai dit dans les livres. Et puis tu vas directement prendre sa vie, avoir une puissance. Tu prends sa vie, tu prends son nom, tu le prêches, et tu défies les gens, les démons, tu voyages dans le monde, au nom de cette personne-là, comme ça seulement. Ah, c'est ça, c'est que les gens doivent savoir. Non, les gens te trompent. Ah, c'est pas Jésus. Dans son nom. Ah, je peux pas prendre aujourd'hui Donald Trump. Je cherche ses livres, je commande, j'entre dans ma chambre, Donald Trump, et puis je vais aller le trouver dans ma Bible. Et le prêcher aux gens. Et puis être vivant, et puis et faire face aux démons et tout. Et avoir une vie normale. Non, c'est pas possible. Mais Branham, oui. Ça, ce sont l'une des preuves qu'il est Dieu. C'est l'une des preuves qu'il est Dieu. Je ne parlerai pas d'aide et tout ça. Je ne prendrai pas leur vie et puis je pêcherai ça aux gens. Puis les gens-là gagneraient quelque chose et prospéreraient. Non. Ils vont devenir autre chose. Des courroux. Donc, par contre, William Branham, oui. Donc, il nous parle, il se révèle à nous, il amène même des succès naturels et il a tous les, on a tous les atouts qu'il faut pour que nous puissions être dans une position ou une peau dans laquelle on se dit ah ah. On a eu un grand travail, un grand appel auquel Dieu nous a appelé ou il nous a donné. Et c'est vrai, quand on se retrouve dans une ville ministérielle où vous avez affaire à beaucoup de pays, c'est que Dieu t'appelle quand même à une grande responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas pasteur d'un peuple. Je suis le pasteur des gens de plusieurs nationalités. Pasteur de plusieurs nationalités. Donc, vous ne pouvez pas me juger mon église en regardant un pays. Non, non, il y en a. Il y en a physiquement et invisibles même, qui ne sont qu'à partir de à Paris. Et au-delà de tout cela, les réalisations par rapport à tous ces déplacements, tout ça, parce qu'avoir l'appel missionnaire, ça, déjà, tout le monde sait, c'est un grand appel. Le missionnaire, c'est un grand appel. Donc, si vous ajoutez encore sur ça l'enseignement, donc c'est un grand appel. Donc, du coup, ça doit vous donner une idée de responsabilité. Et ça, on connaît. Et je garde ça dans mon cœur et ça me donne l'idéal de comment vivre, comment je dois marcher. C'est tout. Mais, chercher maintenant que les gens me connaissent, qui suis-je? Je suis comment ça, ce sont des trucs que je me suis toujours dit. Si quelqu'un chez lui te connaît que tu es grand, tu as d'accord. Rien. Si j'ai faim ici, quelqu'un sait chez lui que moi je suis grand, moi j'ai faim. Est-ce que je serai rassasié? Non. Rien n'y a rien. C'est pourquoi nous ne luttons jamais pour essayer de dire aux gens grand. Nous on est grand, moi je suis grand. Mais par contre, nous notre souci c'est de bien comprendre, de bien enseigner, être convaincu que quand je parle, personne ne peut contester. Et il nous arrive dans les pleins enseignements, on parle comme Paul pour dire hey, ce qu'on dit là, même un ange du ciel ne peut pas. Ce qu'on dit là, même Lucifer sait que c'est vrai. Mais
Est-ce que nous préméditons ça? Non, ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Donc, alors, ça, voilà un peu. Dernière question, il y a beaucoup de jeunes qui vous suivent. Est-ce que vous êtes formé un clan un jour? Oui, enseignez-t-il, enseignez-vous à vos jeunes hein, qui vous suivent de minimiser certains passeurs, effectivement, de vous seuls? Vous avez fait avec ça? Bon, en tout cas, s'il y a des choses que moi je ne peux pas faire, c'est le fait que je puisse m'asseoir chez moi avec mes amis ou mes ministres ou ceux qui me sont fidèles, puis nous allons commencer à minimiser. Non. On peut s'asseoir critiquer un pasteur, un sur sa doctrine. Ça, c'est normal. En tant qu'une église, nous avons notre doctrine à nous. On peut se dire, non, on croit ça, elle croit comment. Mais comment ils défendent ça? Et on fait une causerie pareille dans une réunion, je dis bien avec les ministres ou les officiels autour de nous, ou les bureaux, hein, pas avec les en général, non. Nous, on prêche, on est filmé, on est enregistré. Depuis ma première prédication, je pense jusqu'à aujourd'hui, tout, ça a toujours été arrangé. Tu ne verras jamais. Nous, on sort pour prêcher, on cite, on prêche les gars. Pas pour ça. Jamais. Tu ne verras jamais, on indexe quelqu'un, les diminuer. Non, 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 tout ça, ça n'existe pas. Ça, c'est pas un bon niveau. Donc, par conséquent, quand on s'assoit, si on doit parler, on ne devait jamais parler pour minimiser un pasteur, un ministre, non. Je ne conseillerais jamais quelqu'un de minimiser un pasteur, un ministre, non. Mais par contre, j'accepterai toute critique conforme à la parole de Dieu si la doctrine de n'importe qui. Alors, quand il s'agit de la vie, si c'est une vie mauvaise qui est publique, les critiques sont aussi autorisées. Parce que quand la vie est publique, Paul dit qu'il faut réprimander publiquement. Donc ça peut arriver que les gens dans des réunions cause estimant que donc lui là, les gens qui sortent dans les églises en désordre, les gens qui font des petites dénominations, qui n'ont pas de ministère, on peut les critiquer avec le ministre, en la lumière de la parole. Voilà. Mais minimiser quelqu'un, pourquoi non, on ne le fait pas. Ce n'est pas bon. Ok, encore une question, une dernière question, vu le temps qu'il nous reste. Vous êtes-il arrivé une fois dans votre maison, chambre, quelque part? Vu comment Dieu opère dans votre ministère, vu l'ouverture que vous avez et la compréhension que vous avez de William Branham, vous est-il arrivé une fois de vous sentir un peu comme cette personne, ce gars là? Ah, vraiment? Ah, tu es terrible. Tu es vraiment un journaliste. Mais, tu sais, tu sais, la question est bonne et puis elle est directe dans ce sens que si tu la réponds mal, tu mens. Soit il faut la fuir, soit il faut bien la répondre. Sinon, autrement, tu vas mentir. Ce qui n'est pas bien. Voilà. Donc, la seule chose que je peux dire est que je sais que nous avons une grande responsabilité dans le troisième exode. Ça, c'est la vérité. Le fait simplement de quitter Kinshasa et d'aller ailleurs, et ailleurs là, Afrique de l'Ouest, où il y a les animistes, les vaudous, les athées et l'islam. Les quatre là, plein. Et Dieu t'envoie là-bas. Alors que l'Afrique, aujourd'hui, c'est elle qui écrit le troisième testament. Vu que Israël a écrit le premier exode, Amérique a fini le deuxième exode, la RDC, c'est un pays qui a réussi la promesse du troisième exode, la Bible est dans le message, et les prophéties disent qu'il devait quitter de la partie. Parlant du même qui avait vu les gens sont allés à l'ouest et tout ça.
Donc, quand maintenant, moi, je vois dans les Écritures, il y a un homme qui cite l'Ouest. Quand vous réfléchissez, vous regardez l'Ouest là, vous savez que ce n'est pas l'Amérique, parce que la parole est de toute part l'Amérique. Il a dit, Dieu a quitté l'Amérique, il est en Afrique. Maintenant, Dieu est en Afrique, tout lui dit que c'est à l'Ouest là, Dieu fait là des choses et qu'on sort. On comprend que nous sommes en Afrique dans les lieux où Dieu va agir. Maintenant, si je me retrouve dans l'Afrique qui est le Sud, puis Evran à l'Ouest, étant envoyé venant du Congo, ah là, je sais que j'ai un grand ministère. Et ça, un grand ministère, même, je me rappelle, l'une des personnes qui me l'a dit, c'est un des grands révérends à Kinshasa. Et beaucoup le disent souvent. Donc, du coup, ça, dans ma chambre, je peux m'asseoir, savoir, ça là, tel, quelqu'un vient et dit, je te vis comme ça. Il y a plein de songes. Si je prends ici des songes ou des visions, je commence à citer devant caméra comme ça que c'est fini. On va, celui qui m'écoute tout à l'heure, même là, il va dire lui, là, on savait. On savait. Même les termes là, vous n'avez pas vu. C'était bon. Je vous assure. Comment dire, je savais. Voilà, les gens sont toujours comme ça. Dès que Dieu fait petit quelque chose avec eux, peut-être c'est le temple là qu'il a construit, en même temps, c'est moi. Ils vont commencer à m'inciter tout à l'heure. Ouais. Donc, alors, pour ne pas amener les enfants de Dieu à pécher, nous ne disons absolument rien. Quand quelqu'un vient, le verre, voici son papa, ah bon, je note, je garde moi. Le lendemain, l'autre vient, regarde tous les signes qui sont apparus. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on le publie tout le temps? Rien. Alors que ce sont des choses que Dieu fait et qui devaient être publiées dans un exode pour la gloire de l'exode. Les choses que Dieu a fait avec Pierre, Paul et tout ça, ce n'est pas pour elle, c'est aussi pour la gloire de l'exode. Mais si aujourd'hui on commence à dire seulement Dieu m'a fait voir ces œuvres, tu vas voir, nous sommes dans un monde grave. Et surtout, Afrique, c'est grave. À la minute où tu viens seulement, tu dis, hey, voici Dieu était avec moi. À la minute où tu vas faire, ça là, c'est le téléphone qui a fait. Alors, ça là, ils veulent faire. C'est comme ça. Afrique noire, c'est comme ça. Donc, du coup, nous ne pourrions pas exhiber, parler des choses que Dieu. Venez même dire, Dieu m'a guéri. Tu verras les gens te regarder comme ça. Et voici la question à l'intérieur. Ah. C'est que AM, c'est que je suis foutu ou bien je ne sais pas comment. Alors là, ça peut aller. Donc, c'est ce qui fait que même dans les politiques, tu vois que quand ça ne m'avantage pas, c'est comme l'affaire des élections. Et c'est chaotique. Qu'est-ce qui est chaotique? Chaotique veut dire quoi? Je suis en train de dire, quand je vois, par exemple, la LDC, ils font un vote. Les gens, c'est des mêmes. Un, ils ont fidélité pour respecter votre date. Oui. Il ne faut pas dépasser la date. Il faut pas. Oui. Ok, ils luttent. Il faut maintenant la date. Oh non, en faisant la date là, ce n'était pas pressé. Maintenant, vous avez fait presser, c'est chaotique. Qu'est-ce qui est chaotique? Parce qu'on a frappé, on a déchiré les bulletins de vote dans un instant. C'est ça qui est chaotique. Vous êtes des anges. Vous êtes au ciel, au paradis. Ou bien vous êtes sur la terre. Comment des gens comme ça vont se développer un jour? C'est possible. Quelqu'un vient voter, il n'a même pas. À peine il vote, à peine il dit déjà qu'il y a une irrégularité. Tu as vu quoi irrégulier? Quand tu as fait ta vie, tu as vu quelqu'un voler. Mais qu'est-ce qu'il y a irrégulier? Voilà comme ça, c'est ça politique. Donc, avec des histoires pareilles, politique, église, même histoire. Ou est-ce que, comment vous voulez qu'il y ait troisième exode en ordre? Parce que même si quelqu'un voyait en toi Dieu, il l'acceptera. Bah, parce qu'il accepte, lui devient petit. Il faut qu'il dise non. Soit c'est lui, soit c'est des sujets. C'est nous tous. Ah, c'est nous tous. Ou bien nous, c'est Papa Branham. Mais dans le temps de Jésus, la deuxième chose, c'était toujours Papa Branham qui était grand. Oui. Mais on parle de Paul et Pierre. Oui. Pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas parler des grands gens, des grands hommes qui ont écrit des œuvres? Ça devient non. Nous tous, on n'est rien, c'est que l'esprit mauvais. Et ça vient des impérialistes. Je ne vais pas citer leur nom. Quand vous les regardez là où ils sont en Europe, ils sont trop comme ça, la bouche.
Ce sont ces gens-là qui font qu'ils sont des parlementaires. Oui. Quand ils vont là-bas, ils se battent parce qu'ils discutent des réunions depuis du matin au soir. Même chose dans l'église. On ne se croit pas. On ne prie pas les uns les autres. On ne se moque pas. Mon église, c'est la meilleure. C'est moi. Point. C'est fini. L'autre là, il veut montrer quoi. L'autre là, et tout se fait dans le cadre de sa bonne manière. Et nous, on ne vit pas dans ça. Mais au moins, nous, on a des gens qui nous suivent et nous avons le devoir de leur parler et de répondre à leurs questions et leurs préoccupations. Même nos émissions, nous avons suivi qui? Personne. Les directs, nous avons suivi qui? Personne. Les enregistrements, nous avons suivi qui? Quand on enregistrait, qu'est-ce que les gens disaient? Ils enregistrent et ils ont emmené le ministère des banques. Et ça, c'est pour faire madame, c'est aujourd'hui tout le monde enregistre. Quand nous, on faisait les directs là, les autres, même pour eux, Facebook, même, ils n'avaient même pas encore un compte Facebook. Donc, aujourd'hui, quelqu'un ne dira pas que ceci est fait parce que pour que. Non, non. Nous sommes dans un cycle, dans un mouvement normal. Donc, quand nous sommes dans nos chambres, nous croyons des choses très fortes. Si j'étais dans ma chambre et que je me disais, non, moi, je vois les gens, je vois ce que j'ai. Il y a des choses qu'on a réalisées au moment du passé. Et ça, là, on peut regarder, nous, ça, on a dépassé. Tout pasteur qui vit dans son pays, qui n'a pas fait l'œuvre missionnaire pour aller ailleurs, amener le feu ou le lever ailleurs, par rapport à celui qui a fait ça, il est petit par rapport à celui qui a fait. Ça, c'est ça. Ça, déjà, c'est ça. Ça, là, déjà, c'est ça. Quand toi, tu quittes ta nation, ton pays, ton peuple, tu vas ailleurs. Selon Branham, tu es déjà grand. Tu es déjà grand. Pas que je suis dans mon pays, j'ai créé les églises dans les villages, non. Tu sors d'un pays à un autre. Et quand tu vas d'un pays à un autre, ce n'est pas pour aller faire une église des autochtones. Donc je quitte ici, j'arrive dans un pays, j'ai réuni le Congolais dans un pays, ça devient mes croyants. Non, ce n'est pas ça. Ce qui fait que moi, jusqu'aujourd'hui, si j'ai un croyant congolais, c'est ma propre famille. Je n'en ai pas. Ce n'est pas des croyants qui disent qu'il est bombardé, non. Sauf ceux qui sont à Kinshasa, quand on avait commencé le ministère là-bas. Voyez un peu. Donc déjà le fait là, tu es déjà grand. Quand tu te retrouves que tu répands la lumière dans toute une zone et que tu es suivi, aujourd'hui nous avons des églises au Gabon, commencé par notre ministère. Gabon, c'est l'Afrique centrale. Cameroun, n'en parlons pas. On a mis le réveil au Cameroun. Et puis, l'Ouest, donc on ne peut plus parler. D'où on ne peut plus parler. Donc, ça, déjà, quand vous retrouvez ce genre de choses, donc vous comptez déjà pays comme ça, 5, 6 ou. Vous voulez encore, qu'est-ce qu'on va dire encore, non? Ça, c'est déjà la preuve que tu as une grande responsabilité. Donc, si tu es seul dans ta chambre, tu te vois à un niveau, et c'est ton secret personnel. Ta foi, c'est pas mal. Dieu ne peut pas te juger à cause de cela. Que tu as mal fait. Même Paul disait, glorifions-nous dans le Seigneur. Un frère Branham disait, non, on est entre nous en famille. Oui. Je vais dire quelque chose. C'est comme ça. Mais devant les caméras, non. Mais en secret, on peut analyser certaines choses. Ça, c'est grand. Ça, même moi. Seul. Puis après, merci Seigneur, on comprend, on doit être comme ci, on doit être comme ça. Puis on revient, le travail continue. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin, votre mot de fin est là. Tout le mot de fin, en tout cas, nous sommes aussi à la fin d'année. Surtout, c'est ça même. S'il y a un grand mot de fin, c'est la bonne fin d'année que je souhaite à tous les croyants, tous les croyants du message, tous les branches. Deuxième exode aussi. En deuxième position. Donc vous ne raillez pas, hein? Non, on ne peut pas les haïr, mais on sait seulement qu'il y a trop d'incrédules là-bas. C'est tout. Il y a beaucoup d'incrédules là-bas. Des blasphémateurs, même. Beaucoup. C'est eux-mêmes qui rendent sans effet les messages de là-bas. Là, si ils avaient compris vite, le monde même allait déjà nous craindre.
et Dieu allait agir. Et c'est qui tue tout le temps. Mais que Dieu bénisse les moyens selon leurs besoins et les enfants de Dieu qui sont dedans voient la lumière pour sortir. Et à part ça, il y a des amis qui sont connectés, qui ne sont même pas dans le message, qui nous suivent et tout ça. Bon, vous saluons, nous vous aimons. Merci de nous avoir accompagnés en 2023, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Nous avons eu les hauts, nous avons eu les bas. Dieu nous a gardé en vie. Ça nous fait la joie. Et vraiment, nous remercions le Seigneur par rapport à cela. Nous aurons de nouveaux programmes pour l'année 2024. Ça sera annoncé dans les jours qui viennent. Alors pour aujourd'hui, pour le moment, une seule chose, une bonne fin d'année. Pour ceux qui sont dans la méditation de la semaine, qui continue jusqu'au 24, soyez bénis dans la prière, dans la révélation, comme nous la vivons, avec les expiations, avec ses enseignements, sur le bouc, Azazel, toutes ces choses, étudions, prions, c'est ce que je peux vous dire. Et surtout, souvenez-vous, il y a beaucoup de choses que la science, les païens, sont en train de dire concernant la fin. Je dis bien science et les païens, je ne dis pas Dieu. Donc si déjà science et les païens insistent, et annonce des événements, des films et des trucs qui sont sortis, alors faites attention, vous qui êtes les croyants. Parce que nous sommes dans un âge carrément haut, on est à la fin. Donc, vivez avec Dieu, marchez avec lui, soyez sûr que vous êtes dans sa volonté et chaque jour avancez, qu'il vous accorde vos besoins et surtout terminez bien l'année. Et qu'on se retrouve en 2024. Parce que je pense que ça pourrait être notre dernière émission de l'année 2023. Bon, même à Abidjan, je ne sais pas, quand nous allons y être dans les jours qui viennent, ça sera vraiment agité. C'est difficile de s'asseoir faire une émission. C'est la fin d'année, il y a des programmes qu'il faut arranger, il y a des bilans de l'église qu'il faut faire, il y a des projections de l'année prochaine qu'il faut concevoir. Il y a les programmes missionnaires qu'il faut valider, adopter. Donc, la semaine qui vient, elle est petite déjà. Voilà. Mais, en tout cas, nous vous en informons pour les amis qui sont même à Accra, que lundi, nous aurons une culte à Accra, à Téma, dans notre église du Royaume Éternel à Ghana, avec le révérend Joël. Nous n'avons pas encore le terme, nous allons l'annoncer d'ici peu. Et ceux qui sont là-bas, qui nous aiment bien, qui nous suivent et qui écoutent peut-être l'anglais, on va vous écrire ça par chose, par affiche. Nous aurons la réunion là-bas. Et justement, le début de la semaine, après ces réunions-là, nous allons nous retrouver sur Abidjan pour préparer les cultes de la fin de l'année pour entrer dans 2024. Donc voilà les derniers mots. Aimez le Seigneur, donc croyant de l'homme. Soyez vivants, venez à l'église. C'est qu'ils ne viennent pas parce qu'on n'est pas là, tout ça. Sachez que vous n'adorez pas par rapport au fait que le passé est là. Vous devez adorer Dieu parce que c'est une soif en vous qui vous pousse à adorer Dieu. Et quand vous quittez votre maison, vous allez à l'église, même si c'est seulement pour chanter et prier, même s'il n'y avait pas le goût de la parole, c'est déjà bon. Et quand vous restez seulement comme cela, ce n'est pas bon. Nous sommes des missionnaires, on ne pourra jamais être en une place tout le temps. On va toujours bouger. Allez à l'église, soutenez votre église, vos programmes, c'est ça la volonté de William Branham. Ne soyez pas église ici, tu quittes, tu vas là-bas, tu quittes ici, tu vas là-bas. Mais nous aussi, si quelqu'un nous quitte, on ne le suit pas. Parce que celui qui est saint, c'est sanctifié. Celui qui est souillé, c'est souillé. Donc vous êtes libre d'être avec nous ou de ne pas être avec nous. Si vous n'êtes pas avec nous, on vous envoie déjà, il vous pose une question. Si vous dites, moi je ne veux plus, merci. Ciao, bye bye. Et nous on continue. Ah, on veut encore. Il y a d'autres là-bas. D'autres même ici, on peut recevoir. Vous voyez. Maintenant, on ne veut pas les histoires du genre. Oh non, toi tu as fait quoi? Donc, comme il est sorti là, c'est un démon. D'ailleurs, il vivait mal. Nous on ne plaît pas les gens à mal parce qu'ils ont quitté l'église. Non. L'église c'est un restaurant. Tu entres le matin, tu sors le soir, ça te regarde. Tu veux rester, tu restes.
tu veux partir, tu pars. Mais il ne faut pas en partant commencer à nous insister. Allez au moins en paix et faites tes histoires. Mais il ne faut pas partir et puis insister les gens. Non, ce n'est pas chrétien. Deuxième exode, ce n'est pas croyant. Et pour un prana, troisième exode, non. Donc voilà un peu les tableaux. Le Seigneur vous bénisse. Grand merci à toi, le micro de l'Ouest. Le chef du micro de l'Ouest. Avec Frère Claudel aussi. Donc, il y aura des émissions aussi avec vous. Oui, oui. Mais bientôt, en 2022 et 2024, vous devez aussi être sur le champ missionnaire et les programmes seront bientôt connus. Amen. Amen. En tout cas, vraiment, merci. Merci beaucoup, Révérend. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse votre ministère. Et qu'il fasse de vous ce qu'il attend de vous. Amen. Ah, merci. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce jour. Nous vous disons un grand merci de nous avoir écouté, regardé et tout. Que Dieu vous bénisse. Jacques Constant, que Dieu te bénisse. Nous saluons tous les saints d'Abidjan, les saints qui sont au Cameroun, au Gabon. La soeur Dina, qui est aux États-Unis, nos adultes qui est au Ghana. En tout cas, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Allez, à la prochaine fois. Shalom.